Ces gorges, avec cette rivière qui coule au milieu, c'est exceptionnel. Moi, chaque fois que je viens là, je suis émerveillé par le secteur. On ne parle même pas d'escalade, je suis déjà émerveillé par le site. En fait, si on prend ça un peu comme un petit art de vivre, on peut se contenter d'un mouvement ou de mille exactement de la même manière. Et le basalte, je pourrais dire que ça correspond à la quatrième ère. Parce qu'on a quelque chose de tout à fait complet comme le bloc, mais sur des grandes longueurs. Ici à La Réunion, c'était pas possible de se former. Il faut aller en métropole. Pour moi, de toute façon, quand je quittais La Réunion, mais c'était sûr qu'il fallait revenir. Mon idée, c'était de faire découvrir un maximum ce sport aux enfants de Sillaos. Je voulais vous emmener là parce que c'est un peu le premier bloc que j'ai travaillé quand j'étais petite, donc j'avais 8 ans. C'est vraiment à partir de là que je me suis dit ok, bon, je veux faire ça de ma vie. Je pense que je me suis rendu compte que le travail paye en fait finalement et que c'était satisfaisant de voir que quelque chose qui marchait pas au début, c'est possible que ça marche. Le fait que j'ai été capable du coup de monter sur un podium et de me battre à valeur égale en fait avec toutes ces autres athlètes qui sont sur le circuit depuis un bon bout de temps, ça rassure. Je vais me donner à fond pour les qualifications des JO 2024 et on verra comment ça se passe.